Bon matin, bon matin, Patrick, comment ça va? Comme c'est notre habitude, est-ce qu'on peut dire gloire à, gloire à Jésus? Merci encore une fois, quelle joie de se retrouver à pouvoir adorer le beau nom du Seigneur et de plonger dans la parole, parce que la parole de Dieu fait son effet dans nos cœurs continuellement. Amen. Et on continue dans l'épître de Paul aux Romains. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. La série se nomme cela maintenant vous le savez, ça se dit par la foi seule. et Paul enseigne que nous sommes justifiés. Si tu es en Jésus, tu es justifié par la foi seule. Maintenant, si tu suis les messages du portail, tu devrais le savoir. Mais non seulement que nous sommes justifiés par la foi seule, mais nous sommes préservés aussi par la foi seule. La même foi qui te justifie, la foi qui te préserve. Est-ce que je peux entendre Amen? Dis à quelqu'un à côté de toi ta foi est solide. Et si t'es comme moi, t'as l'impression quelquefois que ta foi n'est pas solide, mais la solidité de notre foi n'est pas en nous, elle est en Jésus qui est solide. Donc, notre foi est solide et c'est ce que Paul, maintenant, il fait un virage après avoir enseigné vraiment sur la destination, la justification. Maintenant, il parle concrètement comment cette foi en Jésus nous aide à persévérer dans l'épreuve. Elle est robuste. Quand j'ai fait mes études bibliques, j'étais au collège biblique et j'ai un de mes amis qui, pour payer ses études, a trouvé une job de vendeur de balayeuses. Et il a demandé à un moment donné au directeur Est-ce qu'il pouvait venir faire une présentation avec tous les étudiants et les professeurs pour, pour se pratiquer Puis le, 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 le directeur super gracieux dit Oui, oui, il vient faire ta présentation. Mon ami arrive, puis arrive avec sa balayeuse, puis commence à faire son, son petit pitch de vente, puis dit C'est la meilleure balayeuse au monde, nouvelle technologie. Et là, il prend le, le, le tuyau, puis dit Ce tuyau est fait du, du c'est le matériel, un matériau, un matériel? Le matériel le plus solide au monde. Cette balayeuse, elle est garantie à vie. Le tuyau est fait en Kevlar. C'est impossible de le briser. Là, demande au directeur. Est-ce que vous pouvez venir, monsieur le directeur Prenez votre bout de tirer, puis là, commence à tirer et le tuyau déchire. <laughs> Très mauvais marketing. Maintenant, nous sommes le marketing du Seigneur. Et tu ne déchiras pas. Le Seigneur te préserve et te garde. Est-ce que je peux entendre, Alléluia et Paul le terminé, on a vu la semaine dernière qu'il le terminé en disant, si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés par lui. Et la parole de Dieu enseigne que la vie est un mélange, hein, un mélange de gloire et de souffrance. La vie, c'est comme du poulet. Des fois, il y a du bon, des fois, tu pognes un os. Hein, quelquefois, c'est de la belle viande, quelquefois... Oh, et dans la vie, la, la, on doit séparer entre les deux choses. Et la parole de Dieu, on va le voir ce matin, enseigne que tu as... Ta pire journée avec Jésus est toujours mieux que ta meilleure journée sans Jésus. Et ça, on dit Amen, puis il y a des gens qui disent hum, Vraiment, on va le voir ensemble. Pourquoi? Parce que l'espérance du chrétien est sa puissance dans la souffrance. L'espérance du chrétien est ta puissance dans la souffrance. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, ouvrons ensemble Romains 8, versets 18 à 30. Le titre de la prédication, c'est Soupirer après la gloire. Est-ce que des gens qui soupirent après la gloire? Soupirer après la gloire éternelle, soupirer après le retour de Jésus. Et alors que vous tournez, il y a trois mots clés. L'apôtre commence son passage avec la gloire, il termine dans la gloire, donc c'est une sandwich de gloire. Il parle que le chrétien, une des choses qui, qui fait que notre foi est robuste, c'est que nous attendons, nous attendons le retour de Jésus, nous attendons la gloire éternelle. Il va parler qu'il y a trois soupirs, il y a trois soupirs spirituels dans la création. Et c'est ce que la parole de Dieu enseigne, donc, sans plus tarder, Romains 8, verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'est soumise. Avec une espérance, cette même création se laura libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24 Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, mais peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, troisième fois, par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Waouh, quel beau texte! Quel beau texte! Trois soupirs. Et le premier soupir, c'est que la création, l'univers, soupire après la gloire. Permettez-moi de relire. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que la création a été soumise, elle attend le retour de Jésus, elle soupire, elle a les douleurs de l'enfantement. La parole de Dieu, ce passage commence avec une grande vérité. L'apôtre Paul dit, il n'y a pas de commune mesure entre nos souffrances présentes et la gloire à venir. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent ici? Sinon, ça va venir. La souffrance caractérise la vie dans ce bon monde. Maintenant, la souffrance n'est pas facile. La Bible ne, ne dit pas que la souffrance elle est agréable. Elle dit qu'il n'y a pas de commune mesure entre ce qu'on vit maintenant et ce qu'on va vivre éternellement. Je sais d'avoir vu un documentaire avec Taylor Swift. Vous savez, je, quand je me suis au courant de la culture populaire. Et il y avait des, des, notamment des jeunes filles qui, qui attendaient toute la journée pour avoir un autographe de Taylor Swift. Puis il y avait une jeune fille qui, c'était la dernière, vraiment la dernière au bout de la file. Et elle est arrivée en plein milieu de la nuit avec ses parents. Puis elle a passé vraiment une journée au soleil à ne pas manger. Euh, pratiquement pas boire, à faire la file, puis elle a passé des heures et des heures et des heures et des heures. Et elle, c'est la dernière, tout le monde est parti, Taylor est restée seulement pour elle. Et la petite fille, elle arrive, pis là elle voit Taylor, puis Taylor il fait un câlin, puis il signe un autographe, et la petite fille sort du stade, pis on lui dit, puis elle dit, c'est la plus belle journée de ma vie. De faire la file pendant 15 heures, de ne pas manger au soleil, c'est la plus belle journée de ta vie, oui, pourquoi? parce qu'à la fin de la journée elle a vu Taylor. Un jour nous verrons Jésus face à face. Face à face nous le verrons. Et la parole de Dieu dit que la création fait quatre choses. Premièrement la création elle attend quoi La révélation des fils de Dieu. OK, reste avec moi. Parce que des gens tu vas être un peu choqué. La révélation, OK, ça veut dire Tadam. Ah, tu sais c'est quoi la révélation? C'est comme lorsque l'illusionniste qui son assistant disparaît puis à un moment donné, enlève le voile, puis elle réapparaît quelque part, fait... oh! La Bible dit, alors qu'on vit notre vie chrétienne, souvent incognito, dans l'anonymat, alors que tu passes à tous les dimanches, puis ton voisin te voit, puis te dit Mais qu'est-ce qu'il s'en va faire à l'Église? Alors que chrétien, les, tes chrétiens, peut-être tes collègues peut-être se moquent de toi, la Bible dit un jour. Nous allons être révélés. Tous sauront que Jésus est Seigneur et que nous sommes le peuple du Seigneur. Tout le monde. Et la création attend la révélation des fils de Dieu. Et là, encore une fois, je ne veux pas te faire exprès pour te choquer, mais il y a des gens qui croient à une sorte d'enlèvement secret. Vous savez, il y a un, dans l'Église, depuis 200 ans, là, il y a un enseignement qu'on ne connaît pas de l'histoire de l'Église, puis qu'on ne voit pas dans la Bible où, je vais être clair, nous sommes d'accord que Jésus revient. Est-ce que des gens qui croient que Jésus revient? Nous sommes d'accord que l'Église va être enlevée. Est-ce que je peux entendre « Amen, Amen. » Maintenant, cet enlèvement secret, où pendant trois années et demie ou sept ans, on continue sur la terre. Puis, et comme si en catimini, puis, la Bible dit que lorsque Jésus revient et que l'Église est enlevée, c'est un moment de gloire. Et on appelle ça la révélation des fils de Dieu. C'est un « tadam ». Et moi, pendant des années, je croyais à une sorte d'enlèvement secret jusqu'au jour où j'ai lu les paroles de Jésus. Il y a des gens qui disent, bon, pasteur Guetta, moi je ne suis pas d'accord avec toi parce que j'ai lu des romans, je ne les nommerai pas, mais ça commence par left, ça finit par behind. On a mis une décision à prendre. Tu prends ta théologie des romans ou de la parole de Dieu? Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici la parole de Jésus, Matthieu 24, verset 30 à 31. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuits du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Tout le monde va le voir. Et qu'est-ce qu'il va faire à partir de ce moment-là? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Lorsque j'ai compris, lorsque j'ai lu la parole de Jésus, j'ai réalisé que le retour de Jésus est un moment où. Tous vont le voir. Et non seulement ils vont le voir, ils vont réaliser que les chrétiens ne sont pas des freaks bizarres. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et la création attend la révélation des fils de Dieu. Pourquoi Parce qu'elle était soumise à la vanité. La création, elle soupire présentement parce qu'elle subi, subit les conséquences du péché. Quand Dieu a créé l'humanité, a créé Adam et Ève, qu'est-ce que dit Adam « Prends soin de la création. » Notre mandat est de prendre soin de la création. Qu'est-ce que le premier homme a fait? Il a péché. Son péché a eu, des, a eu des répercussions partout. Premièrement, une séparation avec Dieu, une séparation avec sa femme, une séparation les uns les autres. Et ça a mis une malédiction sur la planète. Ça a mis une malédiction sur l'univers. Et la création est soumise au vide, elle est soumise à la vanité. Elle attend quelque chose. Et alors qu'on parle aujourd'hui beaucoup de crise environnementale, la Bible en parlait avant que ça soit populaire. Et la Bible dit que le problème présentement de la crise écologique fondamentalement c'est le péché de l'homme. La Bible même va dire que le péché est une pollution et la pollution est un péché. Et alors qu'on peut réduire les effets de serre, c'est des choses très, très louables, honorables. Mais notre culture oublie que l'élément fondamental qu'on ne tient pas compte, c'est que l'humanité s'est révoltée contre le Créateur qui nous a donné ce monde-là. Et Jésus est venu pour te sauver, mais il est venu également pour sauver l'univers. Jésus a un plan pour l'univers. Est-ce que je peux entendre Amen le christianisme a des répercussions beaucoup plus grandes. Puis c'est important de le comprendre parce que, OK, et là, là c'est délicat, là, je vais dire, une, une illustration, puis je ne veux pas être mal compris, mais à un moment donné, il y a une vague, il y a une vague d'insalubrité dans des restaurants, un type de restaurant particulier, puis il y a, il y a un grand chef, un grand chef qui, qui, qui était issu de ces restaurants-là, puis il expliquait que, pour, pour ces gens-là, ce n'était pas un problème parce que, dans la culture, tout ce qui est au niveau de la table et des assiettes, c'est pur. Et tout ce qu'on jette, on le met sur le de plancher. C'est impur. Donc, quand, par exemple, on termine, on, on, on jette tout à terre, tu peux avoir une souris à terre, c'est pas grave, tant qu'elle n'est pas dans l'assiette, c'est correct. Parce qu'ils disent que c'est qu une, une vision du monde. C'est une vision du monde, donc, ça a été comme ça. Donc, tu peux arriver, puis tu peux ramasser quand, tant que tu voudras. À la base, il y a une vision du monde. À la base, tu vas seulement traiter la conséquence, tu ne traites pas la cause du problème. Maintenant, présentement, dans notre monde, on traite la conséquence de la crise climatique, mais on ne réalise pas que le problème, c'est que nous avons besoin d'un sauveur. C'est la base. Et la Bible dit que présentement, la création soupire et un jour elle sera délivrée et elle va participer à la, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? OK. Souvent, on a, on a notre vision du salut qui est très individualiste. On s'imagine qu'on va être sauvé puis on va être dans une petite pièce, seulement moi et Jésus, sur un petit nuage. Et la Bible dit qu'on ne va pas passer l'éternité sur un nuage. Dieu vient créer un monde nouveau. Alors qu'on va, va ressusciter, on va avoir un corps de gloire, nous allons, nous allons marcher dans un monde, un nouveau ciel, une nouvelle terre de gloire. Quelqu'un devrait dire Amen. Ça va être plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Et la Bible dit que présentement, tout ce que tu vois, tremblement de terre, les tsunamis, les dérèglements, c'est quoi? C'est la création qui subit les douleurs de l'enfantement. OK, moi, je n'ai jamais subi les douleurs de l'enfantement. Mais il paraît que ce n'est pas le fun. Les femmes qui ont accouché, est-ce que c'est le fun des contractions? Mais quand vous avez accouché, est-ce que vous vous rappelez des contractions? <laughs> La réponse spirituelle, c'est non. C'est mon bébé, le plus grand des trésors, qui me fait tout oublier. Mais, mais je comprends, ça fait vraiment mal. Puis Jésus va dire à hein, la femme, quand elle, elle, elle est en contraction, il est comme un, elle est triste, mais lorsqu'elle donne naissance, une joie qui vient. Et présentement, la création est en enfer... C'est les contractions. Pourquoi? Parce qu'elle va donner naissance à quelque chose de glorieux, quelque chose de sublime très bientôt lorsque Jésus revient. La création soupire, puis un deuxième soupir. Le chrétien soupire. Verset 23. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance, ce qu'on peut voir... La misère que cette phrase-là. Or, ah, l'espérance, ce qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Okay. La Bible dit que, premièrement, les chrétiens, nous avons les prémices de l'Esprit. Bon, c'est si avec nous depuis quelques semaines. Tu as compris que le chrétien authentique a le Saint-Esprit. Est-ce que des gens ont la conviction d'avoir le Saint-Esprit en toi Amen. suite à l'œuvre de Jésus? Okay. Le Saint-Esprit en toi, c'est une prémisse. Paul va dire ailleurs, c'est un dépôt. Hein, c'est langage, un langage économique. Par exemple, lorsque tu, tu veux acheter quelque chose, quelquefois, on te demande de faire un dépôt. Quand tu fais un dépôt de 100 est-ce que des gens, tu te dis finalement, tu changes d'idée, c'est pas grave, c'est juste 100 Je ne suis pas pour toi, mais moi, non. Moi, pour 10 je retourne. Même pour 2 ça se peut que je retourne. C'est ça, c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce que le dépôt, c'est la garantie que tu vas revenir chercher ce que tu as mis de côté. Le Saint-Esprit, la garantie que Jésus va venir nous chercher. C'est le dépôt du Seigneur. Il va nous reprendre. Ça, c'est les prémisses de l'Esprit. Et deuxièmement, ça veut dire qu'en attendant, nous soupirons en attendant la rédemption de notre corps. Cette affaire-là. Là, je suis arrivé à l'église, une, une soeur qui est venue me voir, puis elle me dit Pasteur Guetta, il faut que je t'explique quelque chose. Elle dit Nous, on est qu'un groupe de retraités puis des aînés, puis on, on est une tribu particulière. Puis là, je me dis, bon, c'est quoi encore cette affaire-là? <laughs> tu arrives à l'église, puis une première semaine, on vient de dire qu'il y une tribu dans l'église, ça va bien. Elle dit, à nous, elle dit, on s'appelle les Tamalou. <laughs> c'est quoi Tamalou? Elle dit, quand qu on se voit, on dit Tamalou aujourd'hui <laughs> Tamalou aujourd'hui, Tamalou aujourd'hui. dit, on a toujours mal quelque part. La réalité, même des. Tout le, monde, tout le monde a ses petits bobos. Il y en a qui ont des, des plus gros bobos que d'autres. On a tous mal quelque part. Il y a tous, tous. Ça peut être un genou, ça peut être un pied, ça peut être l'intestin, ça peut être le diabète. Ça peut, quelquefois, ce n'est pas physique, c'est la santé mentale, c'est un cœur brisé. On a tous mal quelque part peut-être que tu un jeune de 13 ans, mais tu dis, mais pas moi, Pasteur Gaétan, toi aussi, ça va venir. Il y a des enfants qui. Donc, pourquoi? Parce que notre corps, encore une fois, n'a pas été racheté. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Quand tu es venu à Jésus, tu n'es pas devenu plus beau. Tu as gardé la même face. Si tu n'étais pas en forme, tu n'es toujours pas en forme. Pourquoi? Parce que ton âme, elle est née de nouveau, mais pas ton corps. Et présentement, alors que notre âme a été renouvelée, que la vie du Seigneur est dans notre âme, nous attendons qu'il finisse la job, parce que Dieu a un plan pour ton corps. À ce moment, l'Écriture on pense on dit, il est venu sauver mon âme. Oui, mais ça c'est partiel. Le but c'est un salut complet. La vie de ton âme, un corps de gloire éternellement dans un univers de gloire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à se rappeler. Parce que, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Et là, je vais vous choquer. Là. Mais on n'est pas sauvé encore. Est-ce que tu es rendu au ciel? On n'est pas sauvé. Paul dit, on est sauvé en espérance. Ah, on est à moitié sauvé. Là, elle n'est pas dit, pasteur Guétain, a dit que les chrétiens sont à moitié sauvés. Mais tu comprends? C'est-à-dire, notre âme est sauvée, mais pas notre corps. Et nous attendons. Nous attendons. Hein, il y a le déjà et le pas encore. L'Écriture, chrétiens ont de la misère avec le déjà et le pas encore. Hein, il y a des choses qu'on a déjà en Jésus, mais il y a des choses qu'on n'a pas encore en Jésus. Hein, je suis déjà pardonné. Déjà, la puissance du péché est brisée, mais pas encore libérée de la présence du péché. Déjà, mon âme, elle est sauvée, mais mon corps attend la rédemption. Pas encore. Et l'Écriture, on est un peu en deux. Hein, L'image classique, puis je l'ai déjà dit, pardonnez-moi. C'est le jour J, débarquement de Normandie, c'est le début de la fin pour Hitler, mais ça a pris 15 mois avant que la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale se termine. À la croix, la vie de Jésus a envahi ce monde. C'est le début de la fin. Il y a encore des batailles, mais la victoire, elle est assurée. Jésus a remporté toutes les batailles. Ce matin, j'étais dans mon temps de prière et. Euh, avec J'ai mis la louange, puis il y a un chant en anglais qui dit, Tu livres une bataille qui a déjà été gagnée. Hein, nous livrons des batailles qui ont déjà été gagnées. Lorsque le débarquement de Normandie, il y a eu encore des batailles, mais c'était déjà gagné. Le problème souvent des chrétiens, c'est qu'on ne sait pas comment vivre dans le déjà et le pas encore. Hein, c'est pourquoi des gens qui sont fâchés lorsqu'ils n'ont pas la guérison, lorsqu'ils n'ont pas l'intervention, on est dans, on a, le, on a été sauvé, mais pas encore pleinement. Donc, il y a encore des larmes, il y a encore des batailles, il y a encore des pleurs, il y a encore des accidents, il y a encore... Parce qu'on est entre deux. Hein, c'est difficile pour les chrétiens parce que, justement, on est dans un entre deux. Et la vie chrétienne, c'est d'apprendre à vivre dans cet entre deux. C'est comme, par exemple, à 6 heures du matin, ceux qui se lèvent tôt, vers un petit peu vers les 5h45, il y a l'aube. Hein, l'aube, c'est quoi? Ce n'est plus la nuit, mais ce n'est pas encore le jour. Ce n'est plus la nuit, mais tu ne vois pas le soleil encore. La lune est partie, mais il n'y a pas de soleil. Les étoiles, tu ne les vois pas, mais ce n'est pas encore la pleine clarté du soleil. Et le chrétien, nous sommes là. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Mais la lumière n'est pas encore arrivée. Nous attendons le retour de Jésus pour être le jour pleinement dans la lumière du Seigneur. On est dans un entre-deux. Donc, nous attendons avec persévérance. Et troisièmement, non seulement la création soupire, le chrétien soupire, mais l'Esprit en nous soupire. Verset 26 et 27. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs, donc Dieu qui sonde les cœurs, connaît quelle est l'intention de l'Esprit c'est le Saint-Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en nous, en faveur des saints. Wow! OK, trois choses. Ce texte-là nous dit que le Saint-Esprit nous aide. Parce que dans, alors qu'on vit dans l'aube, alors qu'on est entre deux, on ne sait pas toujours quoi prier. Hein, on on l'a souvent vécu lorsque tu as un proche, par exemple, qui est, qui est très malade, âgé, puis tu ne tu sais pas quoi prier. Est-ce que je prie pour la guérison ou est-ce que je prie pour la gloire? Est-ce que je suis seul? En des fois, tu as une situation, puis je prie pourquoi? Je ne sais pas pourquoi prier. Je ne connais pas quel est le plan de Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, sait parfaitement, puis il intercède selon le plan de Dieu. Vous savez, quelquefois, on sait pas, il y a des situations dans nos vies, puis on se dit, Seigneur, est-ce que je prie pour la délivrance ou est-ce que je prie pour la persévérance? Parce qu'il y a des situations dans ta vie que le Seigneur veut te délivrer. Amen. Mais il y a des situations dans ta vie que le Seigneur ne veut pas te délivrer parce qu'il veut t'apprendre la persévérance. Lui, il le sait, mais il ne me l'a pas dit. Puis il y a des situations comme ça où on est entre deux. On ne sait pas quoi prier. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit en nous sait quoi prier. Donc, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Vous savez, alors que, encore une fois, dans cet entre-deux, souvent une des angoisses du chrétien, c'est mais quelle est la volonté de Dieu est-ce que je suis seul? Il y a des choses qui c'est clair. Je sais, je connais la volonté de Dieu, mais des fois dans ma vie, c'est comme, il y a trois chemins. Quelle est la volonté de Dieu? Puis, vous savez, souvent les chrétiens vont prier pour avoir la révélation de l'Esprit. La bonne nouvelle, c'est souvent de fois, tu n'auras pas la révélation de l'Esprit, mais tu vas avoir l'intercession de l'Esprit. Toi, tu ne sais pas, mais tu dois faire confiance à Dieu, le Saint-Esprit en toi, qui va pallier à ton ignorance. En fait, le Saint-Esprit fait trois choses. Est-ce que tu savais qu'à l'heure actuelle, le Saint-Esprit prie en toi? Le Saint-Esprit intercède. C'est comme, wow, c'est fort. C'est fort. Dieu en nous intercède. Trois choses. Le Saint-Esprit fait, fait trois choses. Premièrement, il va combler. Alors qu'on prie, quand on prie, on, on a une vision partielle, puis on n'a pas tout le plan. Mais par le Saint-Esprit, nos prières sont complètes. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va non seulement, il va combler, souvent il va compenser notre manque de prière. Moi, il m'arrive des fois, vous savez, plus que je progresse avec le Seigneur, plus que ma vie de prière progresse, mais des fois, je, je, il y a une situation, puis je me dis, puis peut-être que je suis seul, comme Hey, j'ai même pas prié pour ça. Est-ce que je suis seul? Hein, il y a tellement de choses, il y a tellement de besoins, on prie, on prie, on prie. On, on pourrait passer 24 heures à prier, puis il y aura encore des besoins. La bonne nouvelle, c'est que le Saint Esprit compense à mon manque de prière. Puis mieux que ça, des fois on prie des mauvaises affaires, des fois on demande de mauvaises choses, des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Le Saint Esprit va contrecarrer, il interfère tes prières, puis il met ça de côté, puis il prie la bonne affaire. Quelle grandeur de grâce nous avons hein, J'aime beaucoup cette prière d'un homme handicapé. Il a dit la chose suivante. En fait, c'est une prière. Justement, pour illustrer comment le Saint-Esprit peut contrecarrer nos prières, alors que dans notre ignorance, on ne demande pas les bonnes choses. Il dit J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé à Dieu la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse pour être heureux. Il m'a donné la pauvreté, la pauvreté pour être sage. J'ai demandé la puissance pour obtenir l'estime des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé un compagnon pour ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes frères et mes sœurs. J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. J'ai reçu la vie pour que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de tout ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, les prières que je n'avais pas formulées ont été exaucées. Je suis parmi les hommes les plus richement comblés. Wow, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, quelle prière. Donc, le Saint-Esprit intercède parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on sait. Romains 8, 28. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a cinq choses qu'on sait. Nous savons du reste. As tu as remarqué, Paul passe de l'ignorance, des choses qu'on ne sait pas, que le Saint-Esprit comble, mais en même temps, nous rappelle ce que nous savons. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères, et tous ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Wow. Quelqu'un a dit, ce passage-là est l'oreiller sur lequel tu peux dormir. Spurgeon a dit, lorsque vous traversez une épreuve, la souveraineté de Dieu est l'oreiller sur lequel vous pouvez poser votre tête. Et la souveraineté de Dieu, c'est cinq choses dans ce contexte-là. Il y a cinq choses qu'on sait alors qu'on souffre, alors qu'on est dans l'épreuve. Nous savons, premièrement, que Dieu est en train d'agir dans nos vies. Amen. Encore une fois, je l'ai souvent dit, c'est Piper qui dit que Dieu fait toujours dix mille choses dans nos vies et on est conscient seulement de trois. Présentement, il se passe plein de choses dans ton corps, puis tu n'es pas conscient. Ah, tu n'es pas conscient de tous les, les, les milliards de neurones dans ton cerveau. Tu n'es pas conscient de euh, le battement de ton cœur. Est-ce que tu savais qu'en une minute, ton cœur va battre de 60 à 100 fois? Hein, Est-ce que quelqu'un te fait hey, « oh, hey, oh, oh, encore, encore, wow! Oh. » Non, tu n'es pas conscient. Hein, ta respiration, de 12, à, de 12 à 60 fois, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Est-ce que tu es conscient comme « Oh, merci Jésus, une autre respiration, un autre, alléluia, alléluia! » Non! T'es pas conscient. T'es pas conscient de, du nombre de fois que tu as cligné des yeux? Hein, t'es pas conscient que tes cheveux sont en train de pousser sur ta tête. Pas toi, frère, les autres. <laughs> tes cheveux poussent. Est-ce que vous êtes conscient présentement? Vous êtes en train de perdre de la peau? Nous perdons de la peau. Nous sommes en train de muer. Il se passe plein de choses dans notre corps qu'on n'est pas conscient. Nous ne sommes pas conscients de tout ce que fait Dieu dans nos vies, mais nous savons que Dieu agit dans nos vies et dans le monde. Amen. Ça, c'est une conviction que nous avons. <laughs> Deuxième chose, nous savons que Dieu est en train d'agir pour le bien. Vous savez, Dieu a le monopole du bon. La Bible dit tout le bon vient de Dieu. Et quand tu vois des gens qui font de bonnes choses, quelqu'un de bonnes choses dans le monde, c'est toujours un sous-produit de Dieu qui est bon. Moi, j'aime beaucoup les, les, euh, les compétitions culinaires. Et je suis toujours impressionné quand, à un moment donné, il y a un défi. Et là, on leur dit voici, on leur donne un brocoli, euh, trois grains de riz, puis un restant de poulet. Puis on dit faites quelque chose. Vous avez 30 minutes. Ça, ça ressemble à mon mardi soir. Et là, il arrive, il comme. Une assiette incroyable, gastronomique. Comment c'est possible? Moi, je suis toujours impressionné. Dieu fait beaucoup avec le peu qu'on lui donne. Et non seulement, Dieu est en train d'agir pour le bien, il le fait dans toutes choses. Dieu se sert du péché, de la maladie, des erreurs, du deuil, des accidents, des crimes, des désastres et des épreuves. Dieu est capable de se servir de ces choses pour faire quelque chose de bon à sa gloire. Il le fait pour qui? Quatrièmement, nous savons que Dieu est en train d'agir pour le bien dans toutes choses. De tout le monde? De ceux qui l'aiment. Vous savez, dans notre culture, tout le, monde est, tout le monde est gagnant, tout le monde a une médaille. C'est pas comme ça dans le monde spirituel. Hein? J'aimerais dire que ça va être le cas pour tout le monde, non. Dieu est en train d'agir pour le bien de ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Il est en train de faire en sorte que tout concourt à ton bien. C'est la conviction que nous avons. Et cinquièmement, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et on a prêché sur ce texte-là en début d'année. Et je fais rapidement. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. OK, je sais pas pour toi là. Est-ce que des gens tu crois que tu es justifié Est-ce que des gens tu es déjà glorifié Non. Pourquoi la parole de Dieu parle au passé de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu Ça s'appelle un passé prophétique afin que Dieu te communique que c'est comme si c'était fait. Et ces cinq étapes, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'or du salut. Chaque maillon est importante. Chaque maillon est important. Si tu a un maillon est plus fragile, rien ne reste. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu les, les, les grands bateaux avec les encres, avec les grosses chaînes? C'est incroyable. Hein, quand vous regardez les chaînes, les maillons, c'est énorme. Maintenant, si un maillon est rouillé, ou si tu prends un seul maillon en plastique, ça rend la chaîne, ça rend l'angle totalement inefficace. On est d'accord? Pourquoi c'est solide? Chaque maillon doit être solide. Alors que nous souffrons, alors que nous sommes dans la tempête de l'épreuve, alors que ça brasse, pourquoi nous savons que notre salut est solide? Parce que la chaîne tient. Nous savons... Que le Dieu qui nous a connus d'avance, qui nous a prédestinés, qui nous a appelés, qui nous a justifiés, le Dieu qui nous glorifie, nous savons que l'œuvre de Jésus dans nos vies, elle est solide. Est-ce que je peux entendre un amène à ça? Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, alors que tu es balotté, alors que nous sommes dans ce monde qui que ça brasse, que nous sommes dans une Est-ce que tu es dans une tempête ce matin? Vous savez, souvent on est dans une tempête, on dit Jésus est mon encre, Jésus est solide. Mais qu'est-ce qui nous rattache à Jésus? C'est cette œuvre. Et aucun maillon n'est fragile. Donc, la parole de Dieu termine avec un encouragement. Alors que nous souffrons, alors qu'on peut vivre des deuils, alors qu'on a des maladies, alors qu'on a des crises, alors qu'il y a des, des épreuves, alors qu'il y a des séparations, alors qu'il y a des, toutes sortes de choses, il y a des chutes. Nous savons qu'ultimement, ce qui est solide en nous, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de ce que Jésus a fait. Est-ce que je peux entendre un dernier amen à ça? C'est la parole de Dieu pour ce matin. L'encre solide Seigneur.